drink almost anything about now. Looks like I made it through another night. C'est bon, t'as fini de parler? Merci. Bonjour et bienvenue. Nouvel épisode de la survie du week-end. Pendant le week-end ou pas, ça dépend au moment où vous regardez la vidéo. Ah, je suis fatigué. Donc, on est reparti. On est reparti. Cric lugubre, on est ici. Et on doit tout descendre. On doit descendre là, faire plein de découvertes. Il y a plein de trucs à faire. On a laissé des objets ici. Donc on les reprendra quand on repartira. Ouais, on va partir par le même endroit. Ça fait deux cordes à prendre. Une ici et après une après la grotte. Et, enfin, après la grotte. Enfin, dans le ravin. Mais on va dire que c'est quand même le meilleur endroit pour se déplacer. Donc on va faire ça. Donc on va laisser du coup des objets sur le terrain. Alors avant de partir, on est en pleine forme ou pas? On est en pleine forme. Non. Donc on va pouvoir se balader. Est-ce qu'on prend ça ou pas? La question c'est, est-ce que je les prends maintenant ou plus tard en fait? C'est ça ma question. Je les laisse là ou... on n'a pas de craft en fait ici, donc ça sert un peu à rien. On va les prendre avec nous. On est à 41, let's go. On va descendre. Ouh, il fait froid. Il fait froid, ça c'est embêtant. On va devoir trouver une grotte. Alors je crois qu'il y a des maisons ou alors une grotte. Alors je crois que c'est quand je descendais, c'était côté gauche. Faire attention s'il n'y a pas les loups gris, mais on va prendre la corde. Ah oui, avant ça. Parce que la dernière fois, j'avais pris une corde et j'avais pas pris les crampons. C'était un peu bête de ma part. Donc je crois que niveau côté gauche, on a des abris. Donc on va aller voir ça. Ah, ils ont encore peur. Cool. Très bien. Donc on est plus ou moins encore immunisé. J'ai lu des choses assez intéressantes sur le forum de Steam en ce moment. Les gens parlent de la difficulté du jeu parce qu'ils voient que... tout ce qui est rajouté en fait sur le DLC en ce moment, c'est que positif. Ce qui est pas faux. Mais le problème, c'est que Interland, ils ont voulu à un moment balancer les choses. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont retiré en fait les Tales, donc ce qu'on est en train de faire en fait. Ils ont retiré l'histoire du mode interloper, donc du coup un creux. C'est comme ça qu'ils ont balancé le jeu. Et on sait comment ça a fini, c'était une très mauvaise idée. Donc je comprends pas pourquoi les gens se plaignent de la difficulté. Et ce qui est marrant, ce que j'ai vu dans les forums, c'est que beaucoup de gens se disent « Ouais, le jeu est trop facile, ils jouent même pas en intrus. » Les gens ne jouent même pas en intrus et disent que le jeu est trop simple. J'ai trouvé ça assez drôle aussi. Ça n'a pas vraiment de sens. Il y a de ça. Il y a des gens qui disent qu'il faudrait enlever, genre... on pourrait passer par là, mais on va faire là. Faudrait enlever, genre, l'immunité du... Il y a un truc qui bouge. De la cuisine niveau 5, par exemple. Ça aussi, ce serait complètement une catastrophe énorme de faire ça, surtout avec, Frontier Cooking, là, qui est sorti. Parce que les aliments, en fait, se dégradent trop vite. Donc tout est à 100% au bout d'une nuit, donc 0% pardon, donc ça serait complètement débile. Ouais, il y a une maison là, vous voyez, c'est pas très loin. Donc ça aussi on peut pas. Et honnêtement, si vous enlevez l'immunité, vous rappelez, oh il y a des trucs là-bas, des animaux. Vous vous rappelez quand j'avais parlé du début de notre aventure, ce qu'on veut c'est avoir cuisine en fait niveau 5 rapidement, pourquoi? Parce que cuisine niveau 5, en fait, ça nous permet de nous balader, tout simplement. Ça permet de pouvoir manger de la viande quand on veut et tout ça, de n'importe quel type de viande aussi. Et bien sûr, de ne pas faire attention au pourcentage aussi de la nourriture. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on s'amuse dans le jeu. C'est à ce moment-là, en tout cas en intrus, hein, je parle. Parce que sinon, ça voudrait dire que du coup, tout ce qui est cuisine et tout ce qu'on trouve, ça ne sert plus à rien. Parce que tout est très bas en pourcentage, voire zéro. Donc du coup, bah, je mangerai que de la viande. Je mangerai que de la viande d'animaux que je viens juste de tuer, en fait, tout simplement. Et je ferai que ça tout le temps. Les gens, j'ai l'impression que les gens réfléchissent pas quand ils disent des choses. Je suis assez intransigeant sur ce genre de choses à chaque fois.
mais je joue assez longtemps en intrus pour savoir ça, que si moi tu m'enlèves donc l'immunité, c'est un truc que j'ai, en fait je viens de voir, donc c'est pour ça que j'en parle et tout, après je vais pas parler de ça pendant toute l'heure, mais j'aime bien parler de choses. Si tu m'enlèves ça, vous ne courez plus aucun risque de parasite et d'intoxication, c'est-à-dire que tout ce qui est ça, genre des choses comme ça, donc tout ça, tu me l'enlèves, je le ferai jamais parce que je vais pas perdre du temps, genre cuisiner 2 heures pour le manger directement. Non, c'est débile. Déjà, en fait, on se fatigue trop à cuisiner, ça prend trop longtemps. Donc tout ça, tu m'enlèves, ça sert plus à rien. Tout ce qui est... tout ce qui est nourriture qu'on trouve, genre des chips et tout ça, ça sert à rien parce que ça aussi, ça va être très bas en pourcentage. Du coup, il n'y a plus que la viande. Il n'y a plus que la viande. Et la viande, on peut même pas la garder très longtemps. Enfin, si, on peut la garder quand même trop longtemps dans la neige. Mais du coup, il faudrait manger que de la viande, en fait. Je sais pas. Les gens, ils ont pas l'air de vouloir réfléchir, en fait, quand ils disent les choses. Ah, oh, ça, c'est très, très bien. Ouh, nickel, les deux, là. Nickel, c'est ce qu'il nous fallait. Donc, ouais, j'étais très, très surpris de voir les gens dire ça. Il y en a quelques-uns qui ont dit ça. Et après, évidemment, c'est les mêmes apparemment qui jouent pas en intrus aussi. Donc, ouais, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi on pourrait se plaindre d'une difficulté, que le jeu est trop facile, alors qu'on joue pas avec la difficulté la plus élevée. Ça a zéro sens pour moi, mais bon. Hein, c'est les gens, je sais pas, je trouvais ça. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que honnêtement, je vois pas pourquoi les gens diraient ça. Je sais pas. Ils ont pas l'air de réaliser, en fait. Ils ont vraiment pas l'air de réaliser. Bon bah du coup, putain, ça valait le coup de venir là en fait. On va enlever la lampe. Ça valait vraiment le coup de venir là. Nickel. Super content. Super content parce que là on a vraiment trouvé des trucs très intéressants. Genre il me faudrait une deuxième patate. Je serais bien, monsieur patate. On a trouvé du sel, c'est nickel. On a trouvé une huile, nickel. Ça c'est magnifique. Ça c'est magnifique. Ça on s'en fout. Ouais, ça c'est top de chez top. Ah bah tiens, il y a même un truc, par exemple, ça, on peut pas le manger, parce que ça serait à 0%. Moi, je peux, parce que j'ai cuisine 5. Bah du coup, si je veux, par exemple, des... les canettes, là. Les conserves, pour faire des baumes, par exemple. Ou alors pour faire de l'eau. Bah ça voudrait dire que ça, je peux jamais la vider. Je peux jamais la vider, parce que si j'ai pas l'immunité, je vais être malade et tout ça, et je vais mourir, sûrement. Enfin voilà, c'est pour vous dire. Donc il y a plein de trucs comme ça, en fait. Les gens réagissent. Les gens réfléchissent pas, hein. Quand ils disent des choses, c'est ouf quand même. Ça me rend fou. Et le problème, c'est que dans ce thread, en fait, cette discussion, il y a Interland qui a répondu. Interland qui a dit, oh, on va prendre en... Merci pour votre feedback et tout ça. On va en tenir compte, on va y réfléchir. Si jamais le travois ou alors les objets comme ça qui vont venir dans le DLC payant, ils sont retirés de la survie du mode intrus, interloper du coup, pour, entre parenthèses, balancer le jeu car le jeu est trop facile, je vais péter un cap. Ça sera la faute des gens, complètement. Si Interland fait ça, je vais péter un cap. Enfin bref. Donc voilà, c'est bon. J'ai parlé pendant 8 minutes de ça, maintenant on peut parler d'autre chose. Donc je suis en train de me demander, qu'est-ce qu'on fait? On dort un peu ici? Non, on est réchauffé, ça va. On est un peu lourd par contre, donc faudrait peut-être essayer d'arriver au camp principal. Je suis en train de me demander aussi si on prend des rideaux ou pas. Je sais pas si on trouve du tissu en fait. Ah, la dernière fois aussi j'avais oublié parce que je m'étais noté ça. Il faut qu'on fasse plus de... Ouais, il faut qu'on fasse plus de ça. Pansement. Plus de pansement parce que vous avez vu qu'ici, hein, c'est les petites blessures ici. Pour ceux qui se rappellent, je sais qu'il y en a qui regardent mes vidéos et qui se rappellent de ça. J'en avais parlé de ça aussi. C'est l'époque où le jeu laguait quand il sauvegardait. Et le pire, c'était de combattre des loups gris. Parce que les loups gris, dans le jeu, quand vous prenez des blessures, vous avez vu que ça sauvegarde, en fait, pour éviter de tricher, quoi. Et ce qui se passait, c'est que la sauvegarde prenait genre 5 secondes, des vraies secondes, attention, je dis pas de conneries. J'exagère pas, c'est vraiment 5 secondes. C'était parce qu'une mise à jour avait merdé, comme d'hab. Hein. Tiens, on pourrait faire de la... Non, il fait trop sombre. Non, il n'y a pas assez de soleil. Et combattre des loups gris
Quand la sauvegarde prenait 5 secondes, à chaque fois, c'était une catastrophe. Le jeu frisait pendant 5 secondes. C'était horrible. C'était horrible. Je vais juste voir s'il y a des trucs là, puis après, on se casse. Après, on essaye de descendre. Ah, ça... Mais ouais, ça fait peur, hein, de ce que disent les gens, des fois. Ça fait peur. Y a rien, en fait. Peut-être des massettes, à la limite. Qu'est-ce qu'on fait? On va à gauche ou pas? Je pense pas que ça soit très utile. Par contre, je veux bien prendre du bois pour faire... ouais, on va commencer à piquer un peu du bois, là, sur le chemin. Pour être sûr de pouvoir faire un feu si jamais on doit se mettre à l'abri. Alors après, prendre cette maison c'est cool, mais je crois que sur ce côté là il n'y a pas grand chose. Le mieux serait d'aller sur le côté de droite. C'est un peu plus direct. Mais c'est possible qu'il y ait plus de loups. Peut-être là il y en a moins en fait. C'est un peu plus chill, un peu plus tranquille. Je crois. Mais long, mais plus long. On va voir. Est-ce qu'on sprint un peu? Ouais, peut-être. Si jamais on a des loups gris, ils vont sûrement nous attaquer cette fois, par contre. Je sais pas combien de temps reste l'immunité, si c'est genre 12h, 24h, je sais pas du tout en temps. Bon bah apparemment on est encore immunisé. Donc on va en profiter. Non, on n'est plus immunisé. Ok, il n'y en a pas beaucoup, ça va. Sûrement un, ça suffit. Je vais voir. Je lui ai fait mal, mais il est pas mort. Bon, il va dans le sens que je vais, mais ça me fait chier, c'est pour la flèche. J'aurais dû essayer de lui tirer une deuxième flèche très vite. Pour éviter de la perdre, en fait. Parti. Ok, il a fait ligne droite. Oh, il y a un sac. Faut... Ah oui, j'aurais dû regarder aussi sous le pont. C'est possible qu'il y ait des choses sous le pont. Ok, il est parti par là-bas. On a un peu froid, mais... Est-ce qu'il y a des trucs sous le pont? Non. Ah, il y a des recoins. Attends. Je vais voir. Non, ça ne fait rien. Ok, bah du coup, on va aller sur le côté droit, et on va voir si on peut pas trouver Médor, là. C'est quoi, ça? C'est un point, c'est juste une empreinte. Trouver Médor là qui est en train de saigner, ça fait chier. J'ai perdu sa trace. Ça c'est embêtant ça. C'est bête parce qu'on a un temps super dégagé, mais il fait froid. Donc,
se mettre sur la route. Oh, retrouvé. Ah mais parfait, il y a une maison juste là. Ah ok, il est remonté. On va aller se mettre dans la maison. Pour se réchauffer et potentiellement le laisser mourir. Alors, si je me rappelle bien, c'est potentiellement le lieu d'un ours aussi. On va voir si on peut pas dormir genre une petite heure. Histoire de se réchauffer et tout ça, et de laisser le loup mourir. On va sûrement le retrouver avec des corbeaux autour. Alors... on va fouiller quand même avant de partir. Ça. La nourriture pour chien, on devrait la manger. Parce que la nourriture pour chien, c'est très lourd. Hein. C'est très lourd et on peut strictement rien en faire. Enfin, après, je dis ça maintenant, mais peut-être que plus tard, on pourra en faire quelque chose. Hein. Mais bon. On va peut-être garder le reste. Je sais pas pourquoi. Je sais que j'en avais gardé. Pourquoi c'est 0,30 pour 500? 0,30 pour 500, c'est potable, hein, en fait. C'est très potable hein, pour calories poids. Hein. Il fait froid ici, ça c'est chiant. Bon, je voudrais aller récupérer le loup d'abord. Alors, on avait vu qu'il allait par là-bas. Aucun corbeau. Hein. On va aller là-bas. Alors, je crois qu'il y a une grotte là-bas. Je crois qu'elle est habitée par un grand méchant. Ah oui, on peut faire de la pêche ici. On peut faire de la pêche. Enfin, techniquement, maintenant, on peut faire de la pêche un peu partout. Vu qu'on peut faire des trous. Est-ce qu'il est là? J'entends des bruits. Did I say I hate being cold? Because I really do. C'est toi pour voir un peu. On va aller récupérer les champignons et tout ça.
problème, c'est qu'il fait très froid. On n'arrive pas à avoir un temps potable en fait. Alors qu'il fait soleil. Hein. Il fait bien soleil et tout ça. Donc ça pourrait être un temps pas trop froid, mais que dalle. Je pense qu'on va aller redormir une petite heure. Je vais peut-être faire le... Enfin non, d'abord on va dormir une petite heure. Parce que je voudrais pas trop baisser en vie. Parce que ici il y a quand même beaucoup plus de combats que la normale. Par contre, je suis un peu déçu là pour l'ours, le loup avec la flèche. Mais ça m'embête ça. Oh putain! Je savais bien que j'entendais quelque chose. Ça va, il m'a pas senti. Il m'a pas senti. Il s'est pas énervé alors qu'on était très très proches l'un de l'autre. Hein. Très très surpris. Extrêmement surpris, très bizarre. On va faire un peu le tour. Je vais encore perdre de la vie, c'est chiant. Je vais juste prendre un peu de hauteur pour voir s'il n'y a pas le corps du loup en fait. Genre si on peut pas le spotter un peu de loin. En théorie, moi je dirais qu'il est par là. Le loup. Il faut pas être très loin. Certain qu'il est pas loin. C'était rapide, hein, mais il y avait l'ours. Hein. Je sais pas si vous avez vu, mais... J'ai fait demi-tour très vite. Mais il était là. Hein. Ok, on va essayer de rentrer. Ce con, il aime bien se balader en fait. Je crois qu'il fait plus ou moins des allers-retours entre la maison là de pêche et sa grotte en fait. Donc du coup, bah, ça pose pas mal de problèmes pour nous. Je vais être franc, je me rappelle plus si la glace peut casser ici. Je crois, je dirais que oui. Donc on va faire gaffe quand on va un peu plus loin. On a perdu beaucoup de vie pour pas grand chose. Là, ça m'embête. On n'a pas trop de calories là. Enfin si, on a des calories sur nous, mais on n'en a plus dans l'estomac quoi. Là, ça m'embête. Il y a l'eau aussi, on va avoir des problèmes. Faudrait qu'on aille... Techniquement, on peut vivre ici un petit moment, histoire de se refaire. Mais faudrait aller chasser, en fait. Ok, parfait. Là, on a un beau temps. Là. Ok, on peut se permettre un peu de se balader. Du coup. Après j'avoue que si on peut chasser l'ours, ah bah tiens, ça serait pas une connerie à faire en fait. Ouais, ça serait peut-être une bonne chose à faire en fait. Parce que là il fait pas froid. Ouais, ça serait une bonne chose. Faut bien qu'on vise la tête et tout. J'ai du bois, je peux faire un peu de feu. J'ai pas grand chose en fait. On va attendre qu'il avance un peu. De toute façon il peut pas monter directement. Il est obligé de faire tout le tour et tout. Je sais même pas s'il peut venir ici honnêtement. Je vais être franc. Allez avance un peu. On a toujours pas froid, ça va.
Et avance encore un peu. 3, 2, 1, let's go. Ok, cool. C'est bon. Oh, les flèches sont tombées, c'est ça? 4 flèches. Gogolman, je m'appelle Gogolman, l'ours. C'est bien, hein? Bon, bah voilà, on a un ours à domicile. Gogolman! Alors attends, est-ce qu'on peut récupérer un peu de bois? Là, du coup, ça nous fait pas mal de viande. Si on pouvait le faire cuire maintenant, parce qu'on a un peu faim. Si on peut faire cuire maintenant, ça voudrait dire qu'on n'a pas besoin de trop se faire chier à taper dans les réserves, pardon. Est-ce qu'on peut trouver... Par contre, le vent se lève, donc c'est peut-être pas une bonne idée. Ouais, non, le vent se lève. Non, ça c'est bizarre, ça. Ah, fait chier. Ok. Est-ce qu'on peut faire un feu à l'intérieur, là? Oui, on peut. Ok. Est-ce qu'on a du bois? Bon, on va devoir utiliser des allumettes, je pense. Man, I could eat anything. Ah, ça m'embête un peu, mais bon. Comme ça, on fait cuire l'ours. On a un peu de bois, on peut le faire durer, il me faut de l'eau aussi. Non, je vais voir. Par contre, on a que ça. On a ça aussi. Je pense que 46 minutes, ça sera trop court. Alors, ou on mange ça, ou on mange autre chose. Je dirais pas non pour ça, peut-être. Comme ça, on récupère un peu de vie. Minutes. Est-ce qu'on peut récupérer un peu plus de bois? I'm gonna need to eat soon. Je sais, je sais. J'aime te plaindre, hein. Je dirais ma femme, j'en ai pas. Quatre minutes. On va aller récupérer, parce qu'on est on est chaud. On va aller récupérer un peu plus. Par contre, je vais juste virer un peu mon poids, là, parce que... Ça pèse méga lourd, ça c'est chiant que ça pèse aussi lourd. Tiens, je pourrais faire ça aussi. On va aller récupérer 2 steaks. Histoire qu'on soit un peu prêt pour se balader.
Il y a un bug aussi par rapport à l'équipement. Alors là, on change de zone, donc ça le fait pas. Mais si vous éloignez d'un feu, en fait, et que vous revenez, les vêtements, en fait, se mettent pas à jour. Et pensent qu'ils sont toujours, en fait, dans le blizzard, en fait. Même si le feu est plus chaud. Mais bon, là, on change de zone, donc là, ça passe. Là, c'est un peu étrange, mais bon, j'en avais déjà parlé en stream et tout ça. Peut-être qu'il sera pas corrigé, sûrement. Table, très bien. Non, par contre, je voudrais, alors, comme d'habitude, 2 et 2 et 2. Donc, il nous faut... ça. Ça. Très bien. Très bien. Fais de l'eau, voir le trou. Ouais. Viande d'ours cuite. Oui. Ah oui, parce que oui, là faut faire attention parce qu'on est en intérieur, donc comme d'habitude, vous rappelez le système avec plus il fait froid à l'extérieur, plus le feu en fait dure longtemps. Mais là on est en intérieur, donc 1h30 c'est 1h30. Ça c'est un peu le problème. C'est pour ça que je fais très très peu, j'évite le plus possible en fait de faire des feux en intérieur, parce que du coup vous allez utiliser masse, mais alors masse de bois pour faire du feu. Ça c'est un peu embêtant. 39 minutes pour combien? 2. Ah non, putain. Alors on a encore 3. On va même pas pouvoir. On va même pas pouvoir en fait tout faire. On va pouvoir en faire 2 de plus. Ce qu'on peut faire par contre, c'est prendre la peau. Comme ça, on l'a déjà sur nous et on l'a fait sécher. Parce que la peau d'ours, c'est pas mal. Wow, quel beau temps. Mais la peau d'eau, ouais, c'est un peu gros en fait. Alors ça c'est 8 minutes. Ouais, 20 minutes on va avoir froid. Hein. Donc, ouais. On verra ça le lendemain. On verra. Rattraper notre retard en calories. On est un peu fatigué, je crois. Ouais, ça va. Non, ça va en fait. Alors, ce qu'on pourrait faire, donc on peut détruire des choses. Le bois, on en a pas des masses, on a encore ça. On peut faire à l'intérieur, pas grand chose en fait. Ouais, on va juste essayer de cuire quelques petits morceaux et après on se dort. Là, ça sera moins lourd de transporter tout ça. 20 minutes, on peut faire encore de l'air, je pense. Alors après, est-ce que, par contre, c'est un peu la différence aussi, c'est que vu que c'est des meutes, bah, le coup d'avoir plein de nourriture sur soi, bah, c'est pas vraiment embêtant, en fait, d'avoir plein de viande, maintenant que j'y pense. C'est pas embêtant, parce qu'une fois que vous avez tué la meute, bah, elle va pas vraiment vous embêter pendant un long moment. Donc, bah, c'est pas très grave, en fait, de sentir la barbaque. Vous voyez ce que je veux dire?
j'ai encore 3 bâtons. Les 3 bâtons, on va les laisser, on va les garder. Alors, ce que je dois faire... 2, 2, 2... Après, je pourrais faire des thés ou l'emboire. On pourra en boire un pour dormir. Ben non, mais de toute façon, il nous reste... Non, mais on n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Parce qu'on n'a pas besoin de régénérer beaucoup, en fait. Ce serait du gaspillage. Ok, là par contre, ça vaut le coup. Attends, strictement rien, c'est ouf. Ok, là on a la peau, c'est bien. Il reste 17 minutes. Putain. Une aurore boréale maintenant. On n'est pas prêt pour se balader. Après, je crois qu'il y a beaucoup d'aurore boréale ici. J'aurais dû prendre mon sac de couchage. Bon, ça doit être proche. Ça doit être juste devant le fait l'ours en fait. Il y a un truc sur la glace à côté du cabanon. Vas-y. Allez, donne-moi des trucs bien. Ah, yes. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Les allumettes, tout ce que je demande. Alors, j'ai vu que je crois qu'on était bleu tout à l'heure, là-bas. À côté de notre cabane. Mais encore une fois, je pense que le bunker est loin. Donc, on va pas y aller, on est trop fatigué. Là, c'est pas mal, parce qu'il fait pas vraiment froid. Mais bon. Ouais, ok. Ah, putain! Ça va être chaud si on tente. Il a pas l'air très loin, en fait. Nous, on l'avait détecté, genre, de l'autre côté. Vous voyez de la tour, là? C'est où on était, en fait. On l'avait détecté de l'autre côté. Donc, je sais pas. Je prends mon sac de couchage et on essaye. Vas-y. On sait que c'est le même qu'on avait détecté. On a du café à la limite. J'aurais dû peut-être manger un petit pain là pour avoir le plus 3 kilos. Ah, on dirait qu'il a capté quelque chose d'autre. Ouais, non, mais ça doit être le même bunker. Hein. Il doit être de l'autre côté. Hein. Oh mon dieu, mais c'est loin.
Après, j'ai envie de dire, on a de la nourriture, de l'eau. Je fais pas très froid. Bon, on a laissé pas mal de choses. Hein. On n'a pas la poêle, on n'a pas... on a une peau qui sèche d'ours, on a des trucs. Hein. Une voiture, là. Donc, faudra qu'on revienne de toute façon. Oh mon dieu, comment je passe? Je suis sûr qu'il faut que je passe de l'autre côté. Il y a une grotte là. Je crois pas que je puisse passer, hein. Faire le tour. Il y a de l'eau. Hein. Non, je vais pas pouvoir passer. Non, il faudrait faire le tour de l'autre côté en fait. Non, on va rentrer. On va rentrer. Après, ça a l'air d'être dans cette direction. Ouais, non, mais c'est le même qu'on a... Non, non, on va pas se... Je vais pas me faire chier. Je vois où c'est. Je pense que... On doit pas être loin, en fait. Mais il faut qu'on fasse le tour. Et on peut pas faire le tour par là, parce qu'il y a de la glace qui casse. Et pour être franc, je sais pas si on peut courir comme un dératé. J'aurais passé. Ça m'étonnerait. Hein. Oh, putain, pour monter, c'est la merde, ici. Ça m'étonnerait, donc on va devoir faire le tour. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Il y a beaucoup d'aurores boréales ici. On va aller à la voiture. On va regarder s'il n'y a pas une batterie. Faudra passer par là en fait. Pour aller où je veux aller. Il y a le vent qui me pousse, c'est un peu chiant. Je voudrais bien aller visiter la petite cabane de pêche aussi. Avant qu'on aille dormir. Toujours pas trouvé l'ours. Le loup, pardon. Avec notre flèche. Donc on est à moins 1 en flèche, ça c'est pas vraiment bien. Là on a perdu le signal, oui d'accord. Ouais. On a aussi là-bas, là, le phare caché. Pas caché, cassé. Mais je crois que là-bas, il n'y a pas vraiment d'abri. Je crois qu'il n'y a que le phare, en fait. Attends, il y a un truc, là. Genre, il est abîmé et tout ça, donc faut dormir à la belle étoile, quoi. Donc, c'est pas vraiment le plus top à faire. On verra ça plus tard. Allez, on va dormir. On va récupérer le plus de vie possible. Et je pense qu'on va déménager. De toute façon, il n'y a pas grand chose à faire là, de ce côté-là. Bon, le loup... bah, je sais pas. Je sais pas où il est, le loup avec notre flèche. C'est un peu embêtant.
On est en pleine forme. On est en pleine forme. Et on est full vie. Comme ce que je pensais. Il n'y a toujours pas le sac de couchage hein, dans le menu Radian. Enfin, techniquement, si, il y a le sac de couchage de base. Il n'y a pas les améliorés. Je ne suis pas sûr que je peux porter beaucoup plus. Eau non potable. On est à combien ? À la limite, on prend tout. 52. Je peux toujours courir ou pas? J'espère qu'il fait pas froid. Va te... Oh, lâche. Aïe, 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 aïe. On entend rien puisqu'on est à l'intérieur. D'accord, ça a juste changé de... ça a changé de direction, mais c'est toujours Blizzard. Ça n'a pas changé ça. Alors... J'essaie de voir ce qu'on peut faire pour passer le temps. Ah oui, ça c'est un peu embêtant, faut que je fasse attention. Il nous faudrait du duvet. Le duvet est extrêmement léger, je crois bien. Donc c'est vrai qu'en fait, il faudrait qu'on se balade avec un tout petit peu de duvet. Vu que les oiseaux sont assez rares, il nous en faudrait minimum deux en fait, pour pouvoir réparer ça. J'avoue que ça c'est une chose que si jamais ça se déchire, si jamais c'est très mal en point et tout ça, que ça protège plus... Ben, on peut, pour le moment, on peut rien faire. On peut strictement rien faire. Donc, il faudrait qu'on se trimballe un peu du duvet. J'avoue. Ça, j'y avais pas pensé sur le coup. Donc, toujours Blizzard, mais encore la direction qui a changé. C'est bien, on va avoir une journée Blizzard, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire à manger? On a assez pour quoi en fait? Pomme de terre, il en faut deux, on en a qu'une seule. Ah non, non, elle est là-haut, on l'avait déposée. De toute façon, il faut détruire. Ça, on peut le faire avec des glands broyés. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Bah, après, pas grand-chose en fait, ça se fout de la farine. Ouais, non, on peut rien faire en fait. J'ai pris la poêle au lieu du fait-tout. Parce que techniquement, la poêle... Pas même ça, il faudrait de la truite. Honnêtement, on va jamais trouver de la truite. À moins qu'on reste longtemps ici et qu'on commence à pêcher, mais... Ouais, farine. Pour ça, là, farine. Ouais, on va dire qu'il y a plus de chances de faire de la cuisine, en fait, avec la poêle que plutôt le fait-tout. Parce que le fait-tout, ça serait surtout que ça. Mais c'est pas vraiment intéressant, parce que c'est juste pour faire des calories. Alors que là, c'est pour faire des choses assez, assez intéressantes pour les bœufs, en fait. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour avoir la poêle plutôt qu'un fait-tout. Après, on fait qu'un kilo, enfin un litre d'eau quand on fait de l'eau. Alors que le fait-tout, c'est deux. Bon, pas la différence, quoi. Faut faire attention parce que là on a plein de mauvaises choses. On a de la viande crue, on a de l'eau impropre. Donc ouais, faut faire gaffe. Un partout, fais voir.
toujours avoir 5, comme ça on est tranquille, comme j'ai dit. Ah, je crois que ça s'est calmé, on entendait un peu de vent. Je pense que... Alors, attends, on va voir. Ça, quand on double-clique sur ça, par exemple, il devrait avoir un warning. Genre, êtes-vous sûr de vouloir boire ça? Parce que c'est impropre. Vous voyez? J'aurais évité de faire des bêtises, parce que là, j'ai failli quand même double-cliquer dessus. Ok, on y va. Bon, toi, tu vas rester là. De toute façon, ça va être bourré de loups partout. Donc... c'est pas vraiment grave. Pour la nourriture, on en aura. Alors, ce qu'on va faire, je pense qu'on va utiliser un flair. Au moins, ça nous... Ouais. Alors, attends, si je le range... Est-ce que ça fait partie de la lumière? Ouais, ça fait partie de la lumière. Ça... Du raccourci de la lumière. Donc on va pouvoir... on va faire ça. Comme ça, ça me fait déjà 0,25 en moins de, sur moi. Et ça m'évitera de tirer. Alors après, j'ai un doute sur l'efficacité. Je sais pas si ça les fait fuir à 100%. Ou alors, est-ce qu'ils peuvent toujours nous attaquer? Genre, ils nous tournent autour, en fait. Je sais plus exactement. Je sais qu'ils ont pas complètement peur, hein, là. Ils nous poursuivent toujours, mais... Est-ce qu'ils nous foncent dessus de temps en temps ou pas? Je sais pas. Oh non, t'es sans déconner. Putain, foutage de gueule, quoi. Je crois qu'il y a des choses sous le pont. Ça m'étonnerait quand même. Je crois qu'il y a de l'eau sous le pont. Ou de la glace. Jesus, c'est cold. Vous savez qu'on peut même ouvrir le réservoir de d'essence. Hein? Batterie. Batterie, batterie. C'est magnifique. I barely walked with this much gear. Ça, ça sert strictement à rien. On pourrait faire ça. On pourrait faire ça, mais ça va prendre 7 ans. Donc ça va, on va pas le faire maintenant. Ouais, par contre, faut qu'on aille se mettre à l'abri, parce que c'est bien urgent. Bon allez, on va me mettre à l'abri. Il y a une batterie sur le pont, c'est nickel. Donc techniquement, on a toutes les batteries disponibles. Non, nécessaires, pardon. On a toutes les batteries nécessaires pour faire toutes les tours, en fait. Une très bonne chose. Donc, on pourra faire... Ouh, il y a des allumettes par terre. Putain, j'ai jamais vraiment regardé à côté des voitures. C'est la première fois, certain que c'est la première fois que je vois ça par contre. Des allumettes à côté de la voiture, je sais pas si vous les avez vues. Elles sont là. Jamais vu ça, jamais vu ça.
faut aller récupérer la batterie. Enfin, la batterie, elle peut rester là, donc, de toute façon. Ok, on va rentrer. Alors là, il y a sûrement... des yinches. Comment des yinches à l'intérieur. Pour l'instant, je vois... Oui, si, si, il y en a. Est-ce qu'ils vont avoir peur de nous? S'ils hurlent, c'est qu'ils vont attaquer. Ok. Ouh! C'est une grande meute, ça. Ah, il y en a beaucoup. Très grande meute. Ça dure pas longtemps. Allez, on bouge. Allez, on bouge. Cassez-vous. J'ai l'impression d'être Chris Pratt avec les vélociraptors. Je suis Chris Pratt avec les vélociraptors. Là. Bougez pas. Alors après, est-ce qu'on peut... Bon, c'est bientôt fini de toute façon, je vais pas le faire maintenant. Mais est-ce qu'on peut... genre la balancer par terre, ça les empêche de bouger, je crois. Et après, je leur tire dessus petit à petit, avec des flèches dans la tête et tout ça, et je les tue petit à petit. Est-ce qu'on peut faire ça? Je sais pas. Cato. Toujours regarder ces poubelles-là. Pas honnêtement, on n'a rien à faire du tout. Ouais. Bof, bof, bof. Donc. Là, je crois que. Il y a 43 allumettes quand même, pas mal. Hein. Je crois qu'on va peut-être s'arrêter là. On va dormir histoire de se mettre à fond. Je sais pas ce qu'on... Qu'est-ce qu'on fait? On pose les choses là. Je sais plus exactement où je campais en fait. Je crois qu'il faut que j'ouvre l'accès. Je m'en rappelle plus du tout. Je crois qu'il faut que j'ouvre l'accès. Ou alors je suis déjà à l'intérieur, mais c'est juste un peu le bordel. Ah, on va peut-être se vider les poches ici. Bon, déjà ça, casse-toi. Sinon, je vais le boire au bout d'un moment. On peut virer les choses qui sont un peu lourdes. Très bien. On va laisser la viande à l'intérieur parce que... ressortir avec les loups, ils vont me foncer dessus. Ils vont me sauter dessus, honnêtement. Ça, c'est lourd. Ça aussi. Patate. Ça, on peut le garder. C'est pas très lourd. Ouais, je peux mettre les choses ici, on va dire. Si je réfléchis bien, c'est pas mal ici. Faudra qu'on fasse le plein de bois. Nickel. Nickel. Voilà, là c'est nickel, c'est très bien. Du coup, on va faire un peu d'autres épisodes. Enfin, en fait, d'autres épisodes. On va un peu faire le tour d'ici, parce qu'on n'a pas encore fini de fouiller. Je pense que je ferai un jour un stream. Enfin, un jour, à un moment, je ferai un stream ici. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'endroits que je voudrais un peu fouiller, me balader et tout ça. Mais on va d'abord découvrir, bien sûr, en vidéo, en épisode. Mais ouais, on va s'arrêter là. Du coup, en fait, vous avez vu que... Bon, on a 3 steaks d'avance, ok? C'est déjà pas mal. Vous avez vu tout ce qu'il y a dehors?
Donc tout ce qu'il y a dehors, c'est à manger, hein. C'est des hot dogs, hein, les machins, c'est des hot dogs. Donc du coup, bah, on va pas vraiment avoir de problème niveau nourriture. Faut juste bien tirer, faut tirer dans la tête, faut pas les faire fuir et tout ça. Faut vraiment les tuer facilement, enfin, faut les tuer en one shot. Et après, ça se passe bien. Comme ça, on perd pas de flèches, rien. Donc, ouais. On va dormir une heure, comme ça, ça sauvegarde et tout ça. Et la prochaine fois, bah, du coup, on débutera l'épisode dans un carnage où on tuera tous les loups, en fait, dans le périmètre. Comme ça, on sera tranquille pendant un très long moment. Donc, ouais, on fera ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao!